Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Lautaro Martinez qui devrait s'engager avec le FC Barcelone. Mais avant les amis d'Alplon, n'hésite surtout pas à liker la vidéo si elle te plaît et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi activer la petite cloche pour ne pas rater la suite des vidéos à venir. Et nous les mecs, on est parti pour parler de Martinez au Barça. Malgré l'arrivée de Sergio Agüero, le FC Barcelone cherche toujours un autre buteur. Et dans cette quête, l'option Lautaro Martinez serait toujours à l'étude en Catalogne. Le mercato commence fort au FC Barcelone qui a déjà annoncé les arrivées de Sergio Agüero, Eric Garcia ou encore Emerson. L'Argentin vient ainsi renforcer un secteur offensif déjà bien étoffé, mais cela risque encore de bouger, que ce soit au rayon des départs que des arrivées. L'attaque de Ronald Koeman devrait être chamboulée en vue de la saison prochaine, alors que Memphis Depay pourrait lui venir à Barcelone. Le nom de Lautaro Martinez revient encore et toujours en Catalogne. Depuis l'été dernier, le joueur de l'Inter Milan est annoncé comme le successeur de Luis Suarez. Et si, jusqu'à présent, son arrivée n'avait pas été possible, cette fois-ci, ça pourrait être la bonne. Du coup là les mecs, vous allez me dire, pas du tout, pourquoi cette fois-ci c'est la bonne? Pourquoi Martinez, pourquoi l'Argentin va signer à Barcelone? En vrai les mecs, c'est tout à fait simple, c'est ultra facile. C'est car le président Laporta tient la clé pour accélérer le dossier Martinez. Désireux de recruter Lautaro Martinez, le FC Barcelone détient un atout important en sa faveur pour faciliter l'avenue de l'attaquant argentin. Déjà intéressé par Lautaro Martinez l'an passé, le Barça pourrait bel et bien rafler la mise cette année. Juan Laporta aime beaucoup le profil de l'attaquant argentin et pour boucler cette venue, le président barcelonais dispose de gros atouts dans son jeu pour convaincre l'Inter de céder Martinez. Selon le journal Catalan Sport, le Barça pourrait proposer en échange Emerson Royal. Revenu de prêt au Betis Séville, le latéral droit brésilien plaît beaucoup à l'Inter Milan, qui le voit bien comme un successeur potentiel à Achraf Hakimi, qui se dirigerait tout droit vers le PSG. En incluant Emerson dans le deal, le Barça espère obtenir un rabais significatif sur le prix de Lautaro Martinez et conclure sa venue pour environ 55 millions d'euros. En plus de l'échange d'Emerson, les discussions pourraient être longues entre les deux clubs. Voici en tout cas les frérots pour cette petite vidéo mercato sur le Barça. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment les gars pour les 23 000 abonnés. Vous êtes les boss. Continuez de vous abonner, de liker mes vidéos, de partager un maximum la chaîne, que ce soit à vos amis, à vos ennemis. Vous êtes les boss. Et puis voilà les gars, roide tous les 30 000 abonnés. Je compte sur vous. Partagez, abonnez-vous, likez. Et puis voilà les mecs. Salut, à la prochaine. Au revoir.